Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue de nouveau à la table du Seigneur, chers frères et sœurs. Avant de commencer la célébration de ces mystères, reconnaissons humblement que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as manifesté jusqu'aux extrémités de la terre celui qui apporte ton salut. Nous t'en prions. Accorde-nous d'attendre dans la joie le jour glorieux de sa naissance. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame. Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Tracez droit dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Une voix dit, proclame. Et je dis, que vais-je proclamer? Toute chair est comme l'herbe, toute sa grâce comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche et la fleur se fane, quand passe sur elle le souffle du Seigneur. Oui, le peuple est comme l'herbe. L'herbe se dessèche et la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu demeure pour toujours. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis au pays de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance. Racontez à tous les peuples sa gloire, allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Il gouverne les peuples avec droiture. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance. Joie au ciel, exulte la terre. Les masses de la mer mugissent. La campagne tout entière est en fête. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il est proche le jour du Seigneur, le voici qui vient nous sauver.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quel est votre avis? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Et s'il arrive à la retrouver, amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous devons en premier lieu nous rendre compte de l'amour infini de Dieu. Infini et en plus un amour immérité. Et nous n'avons pas droit à l'amour de Dieu. Il est immérité pour nous. La miséricorde de Dieu remplit la terre. La miséricorde de Dieu est notre espérance. La miséricorde de Dieu nous sauve. Il est le Dieu de la miséricorde. Mais il faut voir l'autre côté de la chose. Le Seigneur prend un exemple pour nous parler de sa miséricorde, de la miséricorde divine. Lui-même est la miséricorde. Cette miséricorde fait chair, le Dieu fait homme. Dans cet exemple, il peut avoir une suite. Je ne sais pas ce que ferait la brebis, mais je sais ce que ferions nous les hommes. Qu'arriverait-il si, après s'être égaré, le berger retrouve la brebis et quelques jours après, la brebis s'égare de nouveau et le berger de nouveau à sa recherche. Et 3-4 jours après, de nouveau s'égare la brebis et le berger avec patience va à la recherche et retrouve la brebis égarée. C'est comme cela que nous nous comportons avec Dieu. Et c'est comme cela que Dieu se comporte avec nous. C'est pourquoi nous devons bien penser. Qu'est-ce que nous faisons de l'amour de Dieu? Qu'est-ce que nous faisons de la miséricorde de Dieu? Qu'est-ce que nous faisons de la patience de celui-là qui vient toujours à notre recherche quand nous sommes égarés? Que faisons-nous de l'amour infini du Seigneur? Transformons-nous cet amour du Seigneur, cette miséricorde de Dieu, la transformons-nous en action de grâce, en gratitude, en reconnaissance. Nous devons bien penser en cela, chers frères et sœurs. Nous devons transformer l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, en un motif d'action de grâce. Un retour définitif au Seigneur. Ce berger qui vient chaque fois que nous nous égarons, qui vient à notre recherche, nous devons avoir une réponse de gratitude envers lui. Seigneur, je vais du moins essayer de ne plus m'égarer. Seigneur, je donnerai toutes mes forces pour revenir à toi chaque fois que je m'égare. Au contraire, beaucoup de fois nous disons, comme Dieu m'aime, comme Dieu est miséricorde, comme Dieu vient toujours à ma recherche, alors je peux m'égarer comme je veux. Comme Dieu est si bon, je peux faire tout ce qui me plaît. Il ne se passe rien. Chers frères et sœurs, notre Seigneur est miséricordieux. Notre Seigneur viendra toujours à notre recherche.
mais ne profitons pas de sa miséricorde pour nous égarer. Ne profitons pas de cette miséricorde pour abuser de lui. Soyons pas ces brebis rebelles, mais des brebis qui sont conscientes de la patience, de l'amour du berger. La miséricorde de Dieu est infinie. La miséricorde de Dieu vient toujours à notre recherche. Et Dieu veut que nous aussi, nous fassions notre part. Dieu veut que nous aussi, nous retournions vers lui avec gratitude. Acceptons la miséricorde de Dieu. Acceptons avec reconnaissance l'amour de Dieu. N'abusons pas de cet amour, de cette miséricorde. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Alors que nous appelons de tous nos voeux la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons avec plus de force sa miséricorde. Pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les évêques, les prêtres, prions le Seigneur de garder cette Église sous sa protection. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que sa protection assure la paix à notre époque, pour que finissent les différentes tensions dans le monde, les différentes guerres entre les peuples, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que le Seigneur, dans sa miséricorde, guérisse les malades, repousse la famine dans son troupeau que nous sommes, qu'il écarte de nous toute épreuve, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que dans sa miséricorde, il libère tous les persécutés à cause de leur foi, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour qu'il nous trouve éveillés lors de sa venue, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui sauves tous les hommes et ne veux en perdre aucun, exauce les prières de ton peuple. Fais que les événements du monde se déroulent pour nous dans la paix, selon ton dessein, et que ton Église connaisse la joie de te servir sans inquiétude. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence.
C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilant dans la prière et rempli d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de ton fils Luc Bertin, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Comblés par cette nourriture spirituelle, nous te supplions, Seigneur. Quand nous participons à ce mystère, apprends-nous à évaluer avec sagesse les réalités de ce monde et à nous attacher au bien du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.